Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait une vidéo de grosse réception. J'ai acheté, échangé sur plusieurs plateformes avec plusieurs personnes que je remercierai à chaque fois. J'ai aussi mon cadeau de Noël que je ne vous ai pas montré et que j'ouvrirai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un truc à part. Du coup, on va commencer tout de suite, sans plus attendre. Donc, je vais commencer avec mon cadeau de Noël que ma sœur m'a offert. Donc oui, Noël, ça commence à faire un peu. Mais je l'ouvrirai dans une autre vidéo, je vous le montre ici. Donc, c'est l'item de Trévis. Avec, donc normalement, ça c'est un portfolio. Ça, c'est la carte promo Trévis qui est magnifique. Mais de toute façon, je vous remontrerai tout en détail. Et en fait, à l'intérieur, vous avez 4 boosters qu'on ouvrira ensemble. Et vous avez... Du coup je les ai pas, mais il y a aussi en Rosemary et en Abile, sachant que c'est des items maintenant qui sont assez recherchés et qui commencent à coter un peu. Mais au moins je vais l'ouvrir avec vous parce que c'est une commande de Hello Japan. Et malheureusement, comment vous dire, il a pris un petit poc là. Voilà, et là il est déchiré. On voit pas très bien, mais là il est déchiré. Enfin bref, je vous le montrerai en vidéo. Du coup je vais l'ouvrir parce que de toute façon je peux pas le garder scellé. Donc comme ça, ça fait une bonne excuse. Voilà, donc après j'ai fait des achats et des échanges. Donc on va commencer déjà avec l'achat. Donc j'ai acheté à Artemis le Chasseur, donc la chaîne YouTube à Artemis le Chasseur. Ah, ouais, je me suis pas entraînée. Hein. et du coup, je lui ai acheté ceci. Donc, ce sont les sleeves qui sont dans la box du dresseur qui est sorti en juillet, août, quelque chose comme ça. Du coup, je voulais absolument les sleeves pour compléter ma collection et ils vendaient le paquet entier. Donc, ça va je vais en prendre une pour aller dans la collection parce que je les trouve magnifiques en fait. D'ailleurs, je vais vous montrer sans le plastique. Hop. Oh, je les avais même pas ouvertes. Ah, elles sont mates un peu papier glacé, je sais pas comment dire. Voilà, tout simplement une sleeve comme d'habitude quoi. Du coup, elles vont rejoindre la collection parce qu'elles sont magnifiques. J'aime trop le dégradé de couleur. Du coup, ça va rejoindre la collection et il m'a gentiment offert deux autres sleeves que je n'avais pas. Donc, je vous montre ça. Du coup, ça va être celle-ci et également celle avec le petit fenard et Goopix. Sublime. Franchement, elles sont trop cool. Je préfère plus celle-ci que celle-ci, mais elles sont trop cool. Du coup, merci à lui déjà pour commencer parce que même si c'est pas grand-chose, c'est déjà beaucoup pour compléter la collection parce que croyez-moi, ces sleeves là pour les trouver, j'ai mis du temps. Vraiment, j'ai mis du temps. Ok, après ça, on va passer à l'achat que j'ai fait sur Picastor. Donc, sur Picastor, j'ai fait un achat de deux portfolios, donc les deux portfolios de la Voix du Maître. Pour pouvoir mettre dans le plus petit la Voix du Maître en français et dans le plus grand S3A, donc Legendary Orbit en japonais, parce qu'il fallait absolument que je protège ces séries. Donc là j'ai le petit, mais après vous les avez déjà vus 100 fois je pense, c'est même plus une présentation, c'est juste pour vous dire que je les ai. Et là normalement, oui, j'en ai partout. Là, j'ai le grand, du coup, avec Torgamor, et derrière, la magnifique garde-voix. Je l'aime trop. Du coup, voilà, donc tout est déjà, je vous ai pas attendu, hein, j'ai déjà tout mis en portfolio pour les protéger directement. Et en plus de ça, pour éviter les frais de port, j'ai fait un petit achat supplémentaire qui n'était pas du tout prévu au programme, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Donc du coup, c'est un achat de sleeve pour changer. Oh, il y a plein de poussière. Bon, c'est pas grave. Donc, on commence avec le petit Pikachu, la Zacian Zamazenta, que j'aurais dû avoir la dernière fois, mais ils me l'ont oublié, mais ils me l'ont remis, donc merci à vous. Encore un Pikachu. Donc là, nous avons
la famille du coup de Carapuce et celle de Bulbizarre, voilà, qui sont un peu elles ont un peu un holographisme, je sais pas comment dire, mais je sais pas si vous voyez, mais c'est trop joli. En fait, les vagues, elles sont argentées. Et pareil, là, c'est argenté, vous voyez, juste là, c'est argenté un peu. Du coup, voilà, elles sont trop belles toutes les deux, j'aime trop. Après, on a Carolina, Dratak, Cisaiox, petit ectoplasma qui est trop chou. Et là, celles qui vont suivre, je les trouve, mais réellement sublimes. Franchement, elles sont trop belles en couleur pastel comme ça. Regardez-moi Milobelus, elle est magnifique. Je peux même pas décrire en elle-même la sleeve parce que enfin, c'est pas descriptible, c'est trop beau, c'est trop beau. Le petit Rayquaza, enfin petit, je suis gentille. Là il y a trop de Pokémon, je vais pas tout ce que vous dire, mais voilà. Là du coup on a les yeux de certains Pokémon, donc si je dis pas de bêtises c'est Psychoquake, Ectoplasma et celui-là je ne sais plus, voilà. Après on a le gang des Pikachu vénères, le Ronflex qui fait dodo avec un Flambino, les trois oiseaux, oh si j'en loupe, celle-ci je sais pas, je la trouve super belle parce que les couleurs elles pètent et tout, elles sont trop belles mais j'arrive même pas à décrypter qui c'est, mais voilà. Hop, il y a aussi celle-ci, alors je sais pas trop dans quel sens elles se regardent, je pense que c'est comme ça, mais elles sont très graphiques en fait ces deux là et les couleurs sont vraiment pétantes. Après on a la petite Ponyta qui est trop chouchou, encore plusieurs Pokémon, et là on a les starters du coup tous ensemble de chaque génération et pour chaque type, et je trouve ça sublime, c'est trop beau, c'est trop cool, j'aime trop, c'est trop bien, franchement je suis très contente de les avoir les trois là. Là on a Gallam du coup, ça, celle-ci, la Pikachu de l'Elite Trainer Box que je n'ai pas du coup, que je n'ai pas ouvert, voilà. Après on a Pikachu, je sais pas en quoi il est déguisé. Après on a Pikachu Evoli et Evoli en Pikachu, enfin vous avez compris quoi. Pikachu Mega Lucario, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le méga hein. Après Pikachu en Luigi. Là on a Pikachu en Goopix, donc les deux Goopix. Et après on passe sur les Evoli de chaque évolution, donc Evoli Pancho en gros, tac, je vous les fais tous, voilà, et il me manquera le Nymphali qui est en cours d'arrivage, on va dire ça comme ça, du coup les voilà, et là je suis trop contente parce qu'en plus si je dis pas de bêtises, ouais ça fait pratiquement une page de portfolio, donc c'est nice, ça va faire une belle page ça. Du coup voilà, c'était tout pour Picastor. Donc après on passe à un échange que j'ai fait avec ma sœur d'ailleurs, qui va vous donner des codes si j'arrive. Hop, tenez, je vous donne les codes. Tac, celui-ci, qui n'ont pas été utilisés. Et mince, il m'en manque un. Ah oui, il est là. Hop, voilà. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu avec. Et du coup, juste pour vous montrer ce que je rajoute à la collection, c'est la petite Rosemary holographique du coup de épée et bouclier de base que je n'avais pas. Et le fameux Percy Full Art de Clash des Rebelles que je n'avais pas non plus. Et je le trouve plutôt pas mal. Bon, franchement, moi les cartes dresseurs, j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, je trouve ça super sympa. Du coup, voilà, ça c'était tout. Merci à ma sista. Après j'ai fait un achat pour compléter aussi mes collections, donc sur Vinted, donc on a le Duralugon de la Voix du Maître, parce que la Voix du Maître c'est bon, j'ouvre plus aucun coffret, je fais que des achats pour compléter la série, mais c'est tout, donc achat à la carte, ou échange si possible. On a aussi Tokoriko V, c'est la seule V qui me manquait de épée et bouclier, j'ai enfin toutes les V maintenant. Enfin, là j'ai la sublime carte de Milobelus, donc de Clash des Rebelles, je la trouve tellement belle. De toute façon, ce Pokémon est trop beau.
et la magnifique carte de l'Ansorien V, du coup de Clash des Rebelles également, en full arc, les deux qui sont trop belles. Voilà, pour ça, après je vais remercier Vincent pour ces deux cartes là de la Voix du Maître, donc c'est Florizarre V et Corallium de Gala en V full art, parce que du coup je les avais pas et il les avait piochés en même temps qu'on parlait et il m'a demandé si je les avais pas, ça tombait très bien. Du coup voilà pour ce petit achat, merci à toi Vincent. Tac. Après on continue du coup avec un échange avec Lala, donc Léa, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc elle m'a échangé la l'énergie feu reverse du coup de la Voix du Maître, également celle l'énergie eau du coup reverse aussi, mais on voit pas très bien le reverse, je crois que c'est un peu à cause de la pochette de la Voix du Maître, et j'ai aussi le Torgamor V full art qui est magnifique, je le trouve super beau, et également bam 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 le Draco Feu V de Ténèbres Embrasées, donc du coup je n'avais pas. Et bah maintenant c'est chose faite, hein. Il est dans la collection. La carte est quand même superbe, hein. C'est un drapeau feu, hein. Mais elle est superbe. Franchement, génial. Après, j'ai aussi fait un échange avec Engie. Ça, on va passer sur les cartes S4A, donc en japonais. Donc j'ai fait un échange de pommes drapi en holo, Dratintin en holo. Pour rajouter à la collection. Ah, ça c'est deux petites cartes qu'elle m'a gentiment offertes. Voilà, donc sans coquille et Pikachu. Pikachu qui est super mignon. Mais les deux sont très mignonnes, du coup voilà. Et elle m'a aussi échangé le Fulgudog V de S4A que je n'avais pas, vous l'avez pas vu en ouverture, donc le voici. Il est superbe, même si c'est des illustrations qu'on a déjà vues, hein, vu que c'est du reprint, mais voilà. Tac, ça c'est fait. On a encore deux petites choses. Enfin, deux petites choses. Les plus grosses, on va dire. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On va rester sur S4A et on va remercier très, mais très, très fortement Valentin. Parce que Valentin a été fou. À la base, je devais échanger que seulement 4 cartes avec lui. Vous voyez un peu l'épaisseur du paquet quand j'ai reçu l'enveloppe. J'ai halluciné. Je ne sais même plus comment le remercier, mais il le sait, je lui en ai déjà parlé. Voilà. Du coup, il m'a gentiment offert toutes les communes, peu communes que je n'avais pas. Donc, Wistempo, Monsieur Glaquette, Darumacho. Darumacho Non, Darumaron. Ken Artichaut, Poulpaf, Fourbelin, Ron Gourmand, Ron Grigou. Je crois, et chez Rose, donc ça c'est toutes les communes, peu communes que je n'avais pas et qui viennent compléter la série S4A, et il a aussi donné les cartes de code que je n'avais pas, parce que je fais aussi la collection, enfin la petite collection sur les 24 cartes qu'il y a, du coup on a Zacian, Evoli, Wistempo, et là... On passe aux holos. Alors à la base, je lui ai échangé 2 holos et j'en ai un peu plus que 2. Donc on a Suicune qui est trop nice, mais on l'a déjà vu. Hein. C'est des illustrations déjà vues. Ectoplasma également, trop belle. Quatux, excellente. Ou pas. Voilà. Et là, on passe au meilleur, c'est-à-dire VV Max. À la base, je lui ai changé une V et une V Max. Et là, c'est parti en cacahuète. J'en ai largement plus qu'une V et une V Max. Encore, mais tellement merci, quoi. Regardez-moi, on a le low class V. Le low class V Max. Donc, à la base, il aurait dû s'arrêter là. Mais non, ça continue, les amis. Regardez-moi ça. On a le Lansorien V Max. Qui est sublime. Franchement, cette carte, je l'aime trop. On a également Eternatus V, voilà, toujours dans S4A, on a Eternatus V Max, mais c'est la folie, quoi, c'est la folie. Vous pensez bien, quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'étais pas prête, hein. Moumouflon V, et là,
Là, on arrive au clou du spectacle, c'est-à-dire que ça ne devait absolument pas être prévu dans notre échange et que il m'a dit, il m'avait mis un petit mot en disant ouvre celle-ci en dernière, sachant qu'il l'avait entourée de papier, donc je ne savais même pas de quoi il parlait. Et en fait, voilà. Tadam! Donc c'est la Shani de Dunaja. Voilà, c'est tellement un immense cadeau que je ne sais même plus comment le dire à part dire merci. Voilà, mais de toute façon, il y aura d'autres échanges avec lui et de toute façon, on verra ça ensemble. Mais voilà, du coup, on a une Shiny supplémentaire et ça, Dieu sait que c'est génial, vraiment génial quoi. Bon, enfin bref. Donc, on termine cette vidéo avec la dernière réception, c'est-à-dire... Tadam ! Donc, on a encore une carte, donc c'est carte de voir V Foulard de la Voix du Maître. Elle est tellement magnifique, il me la fallait absolument, vraiment, elle est trop belle. Voilà, tout simplement, regardez cette beauté, c'est sublime. Et du coup, j'ai un petit plus pour vous, c'est les deux tin box qui me manquaient, donc Palartichaud et Ixon. Je vais les ouvrir avec vous, la vidéo va être longue, mais comme il n'y a qu'une vidéo par semaine, bah du coup, j'en profite, je la fais un peu plus longue. Et on va ouvrir ça ensemble. Donc il me semble qu'il y a un booster de ténèbres embrasées et un booster... Ah oui, ça s'ouvre mal, c'est vrai, j'avais zappé. Et un booster de... Ah oui, j'aurais pu l'ouvrir par là. Et un booster du coup de recyclage. Je vais réussir à finir ma phrase, vous pensez? Donc c'est du soleil et lune, mais je sais plus lequel. Je sais plus lequel on avait ouvert. Mais c'est n'importe quoi ce truc. Pourquoi ça se trouve pas bien avec moi? Allez, et de une, il me faut la deuxième, s'il vous plaît. Oh là 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 là, mais quelle galère. Ça, vraiment, les tin box à déboxer. Mais regarde-moi ça. J'en peux plus. Normalement, t'as une ouverture facile. Vous savez, là, c'est comme toutes les ouvertures faciles. Ouais, ouais, merde. Bah, mon cul, hein. Ouverture facile. Mais c'est pas possible, ça. Bon, j'aurais peut-être coupé ça au montage, on verra. Donc du coup, on a le Palartichaud et le Ixon. Donc c'est parti, hop. Donc du coup, on a le jeton Mewtwo, pardon, comme d'habitude. Et c'est Invasion Carmin avec Ténèbres Embrasées. Et la petite carte puzzle qui va, hop, si vous voulez lire, je vous en prie. Donc qui va avec le reste, voilà, tout là-haut, hop. Donc ça... à mettre de côté et on a encore Mewtwo, donc c'était que des Mewtwo je pense, avec Invasion Carmin, Ténèbres Embrasées et la carte de Ixon. Tac tac, voilà, si vous voulez lire pareil, et on vous met ça dans la boîte. Donc on va ouvrir ensemble 4 petits boosters parce que bon, on aime bien les ouvertures quand même. Je vais commencer par les soleil et lune parce que pff, voilà, hein, soleil et lune, on en a marre. Ça commence à bien faire. J'en ai marre de les voir moi, perso. Je sais pas pour vous. Alors, 1, 2, 3 et 2, 4. On est devant. Et c'est parti avec une énergie ténèbre. Gladio, Pashmila et crémeux. Tilton, Escargome. Nounourson, ah, Cacnea, Starry, Cocofort en reverse et un Colossinge. Bon, on sait que les tin box, c'est pas le plus rentable en termes d'ultra. Mais on va voir, hein, peut-être qu'on aura quelque chose. Hein. Ténèbres embrasées, en plus, il manque 2-3 choses. C'est bien la série que j'ai où il me manque le plus de choses. Énergie Riposte, Tritosaure, Rome Combat, Barpo, Bébé Kai, Starry, Galekid, Remoraid, Ossature d'Alola et bien non, Xerneas. Oh si, c'est Xerneas en holo. Oh, elle est sublime, elle est trop belle.
J'aime trop ce Pokémon, je le trouve trop beau. Waouh. J'hésite même à la garder alors que je garde pas du soleil et lune, quoi. On va mettre une sleeve. Je verrai si je la garde ou pas. Autrement, ce sera sur Vinted. Hein. N'hésitez pas à aller regarder. D'ailleurs, j'ai rajouté plein de petites choses. Bon, du coup, les amis, je suis désolée, vous n'avez pas vu l'ouverture du booster, mais ça a coupé. On reprend du coup avec énergie fleu, flamoutan. Oh, j'en peux plus des flammes à main, les flammachins là. Céléroc, étourvol, quatermac, sapereau, sort bébé, scrutella, goupilou, hippopotas en reverse. Et du coup, la petite sidérilla, donc je sais plus si je l'ai, faudra que je regarde. Bref, toujours pas une ultra. Dernier booster, du coup. Hop. On y croit encore ou pas? Je ne sais pas. Ah, je suis en train de... Là, j'y crois plus trop. Bon, je crois qu'il n'y a rien. Mais... on va quand même ouvrir ce booster. Alors, avec une énergie... Oh, l'énergie. Ah, Vortante. Cape d'endurance, Fouinette. Pyronie. Toxizap. Spododo. Skitty. Énergie repère en reverse, et bien non, on a un lance-argot, et ça je suis quasi sûre de déjà l'avoir. Bon, une ouverture que j'ai bien fait de vous faire sur cette vidéo, parce qu'elle est pas folichon, hein. Donc voilà, vous avez vu tous les arrivages dans la collection que j'ai pu faire ces dernières semaines, donc j'en suis très contente, ça complète énormément. Je vais bientôt vous retrouver pour une autre vidéo pour ouvrir... du coup le coffret de Trévis, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.